Mais j'aimerais qu'à un moment donné, qu'on prie encore, surtout pour ces 4 jours, j'aimerais qu'on dise à Dieu, Seigneur, nous voulons être transformés. Nous ne voulons pas sortir tel que nous sommes entrés. Aujourd'hui, transforme-nous. Demain, transforme-nous. Après-demain, transforme-nous. Au dernier jour, transforme-nous aussi. Élevons la voix et prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Lorsque le Seigneur a mis ce thème dans mon cœur, il m'a dit qu'il aimerait nous reconnecter à notre vraie identité. Nous révéler qui nous sommes vraiment en Christ. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Seigneur, durant ces 4 jours, déjà tu sais combien nous aurions peut-être aimé avoir plus de jours, parce que c'est un thème tellement vaste, il y a tellement de richesses à tirer. C'est toute une vie au fait, c'est toute une vie. Et nous te prions, Père, donc, durant les 4 jours de ce séminaire, à compter d'aujourd'hui, que tu nous transformes, que tu nous changes, que tu nous changes, que tu nous changes. Le genre de changement, un changement radical. Un changement qui porte sur l'essentiel. Père, je prie dans le nom de Jésus que s'il y avait l'ADN spirituel de quelqu'un qui n'était pas correct, je prie que tu recadres les choses. Seigneur, durant ces 4 jours, donne-nous à connaître nos responsabilités, mais aussi nos privilèges en tant que chrétiens. Seigneur, durant ces 4 jours, ouvre nos esprits à puiser dans les richesses que tu as réservées pour les saints. Seigneur, durant ces 4 jours, que ceux qui n'étaient pas sur la voie du salut, que tu les mettes sur le bon chemin. Et c'est Jésus le chemin. Seigneur, durant ces 4 jours, nous nous attendons à toi. Durant ces 4 jours, nous nous attendons à ton esprit. Durant ces 4 jours, nous nous attendons à ton pouvoir et à ta puissance. Durant ces 4 jours, Père, nous ne reconnaissons aucune autre autorité si ce n'est l'autorité de ta parole. Durant ces 4 jours, nous croyons que les malades seront guéris. Nous croyons que les possédés seront délivrés. Nous croyons, Père, que les païens deviendront chrétiens. Et nous croyons, Seigneur, que les chrétiens prendront conscience de qui ils sont vraiment. Parce que tant qu'on ne sait pas qui l'on est, on ne peut pas agir dans le pouvoir que l'on a. Que ta parole nous transforme, Père. Donne-nous, Seigneur, de regarder les choses comme toi. Donne-nous de regarder certaines choses de foi qui nous arrivent, mais de les regarder non pas comme si nous étions de ce monde, mais de les voir selon tes yeux. Donne-nous tes yeux, Père. Donne-nous tes yeux, Père. Donne-nous tes yeux, Père. Donne-nous tes yeux. Nous voulons voir comme toi. Entendre comme toi. Agir comme toi. Faire comme toi. Marcher comme toi. Dans le nom de Jésus-Christ.
Transforme-nous, Père. Au nom de Jésus, et bénis ta parole pour ce soir. Amen. Amen. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Seigneur, garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es l'air que je respire. Tu es tout. Dernière fois. Toi, oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. J'en suis conscient dans mon être intérieur. Sans toi, je ne peux vivre. Je suis perdu sans toi. Tu oh, es tout yeah. pour moi. Seigneur, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, dans ta présence. Garde-moi près de toi. Car loin de toi, Seigneur, c'est la mort. Garde-moi près de toi. Je sais que près de toi, Seigneur, j'ai la vie. Garde-moi près de toi. Seigneur, garde-moi toujours plus près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Quelle est ma prière? Garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Saint, oh. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, à l'agneau assis de sur Dieu, le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu est-ce qu'on peut le dire ensemble? Louange, louange,
Avec nos voix, le prince de paix est assis sur le trône, sur le trône. Ah, et les zakatés, tu régnes jamais. Jésus-Christ est assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Il est assis sur le trône. Ah, je peux le voir. Il régna jamais. Il régna jamais. Il est assis sur le trône. Il me dit, faites-moi de la place. Oh yes. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur. Tu es le bienvenu en ce lieu. Welcome, God. Wow.
portes et levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Portes et levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Portes et levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Portes et levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Nous ouvrons nos cœurs, Père. Fais ton entrée, Père. Nous ouvrons nos cœurs, Père. Nous voulons te dire que ça ne dépend pas de notre liturgie, que ça ne dépend pas de nos programmes. Saint-Esprit, libre cours à toi. Chrétien. Alors notre séminaire ira en 4 jours, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est le tout premier. Notre texte de base, c'est dans Actes chapitre 11, versets 19 à 26. Si on peut déjà nous le balancer, et puis on va se lancer. Actes 11, 19 à 26. La Bible déclare « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, la grâce de Dieu de foi, elle est visible, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. La Bible dit, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Dis à ton voisin, chrétien. Si tu te rends compte que c'est une femme, ajoute « n », chrétienne, chrétien. Le terme chrétien, frères et sœurs, est un terme qui désigne les disciples du Christ. Et ce terme chrétien, bizarrement, dans les Écritures, n'est utilisé que 3 fois. Dans 3 passages seulement, on désigne les disciples en les appelant chrétiens. Le premier passage, c'est dans Actes chapitre 11, verset 26, qu'on vient de lire. La Bible déclare dans la dernière partie, « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Le deuxième texte, c'est dans Actes chapitre 26, verset 28. Actes des apôtres, chapitre 26, verset 28. La Bible déclare, « Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » C'est la 2e fois que c'est dit dans toute la Bible.
La troisième et la dernière fois que le mot chrétien est dit, utilisé dans la Bible, c'est Pierre qui l'utilise dans sa première épître. 1 Pierre, chapitre 4, verset 16. 1 Pierre, chapitre 4, verset 16. L'apôtre Pierre dit, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » C'est-à-dire à cause du nom chrétien. Amen. C'est les trois fois, les trois seules fois dans les Écritures où le terme chrétien est désigné, où le terme chrétien est employé. Vous chercherez dans toute la Bible, chrétien est employé trois fois, et c'est dans les trois passages que je viens de dire. C'est la désignation des disciples du Christ la plus connue, bizarrement. Ce n'est employé que trois fois dans la Bible, mais c'est l'appellation la plus connue des disciples du Christ. Partout dans le monde, pour désigner les disciples du Christ, on dit qu'ils sont des chrétiens. On te demande même, es-tu chrétien ou pas? Pendant plus de 19 siècles, les disciples du Christ ont été appelés ainsi. Depuis l'origine de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes appelés chrétiens. Ça a traversé les générations. Il y a des appellations qui étaient communes à la première Église, mais qui ne nous sont pas communes. Ils avaient leur manière de s'appeler en leur temps, on va le voir, mais nous aujourd'hui on s'appelle pas beaucoup comme ça. Mais la désignation chrétien, c'est celle qui nous caractérise le plus. C'est celle qui est plus connue. Et lorsque quelqu'un se présente quand il est chrétien, il commence, il dit « je suis chrétien, je viens de là, je viens de là ». Il y a un grand joueur de football que j'ai beaucoup aimé sur toi à cause de son appartenance à Christ. Il a fait la pluie et le beau temps du Milan AC. Il s'appelle Ricardo Kaká, un Brésilien. Dans son blog, dans son site, et même dans différents réseaux sociaux, Ricardo Kaká, il se présente pas d'abord comme étant footballeur. Lorsqu'on demande sa biographie, il dit toujours d'abord « chrétien ». Alléluia. Les autres choses viennent après, mais chrétien d'abord. C'est un nom qui ne vient pas du dedans, mais c'est un nom qui, apparemment, vient du dehors. Et là, je vais vous donner les deux courants dans les cercles théologiques. Le premier courant dit que c'est un nom qui ne vient pas du dedans, c'est un nom qui vient du dehors. Le texte de Actes, chapitre 11, verset 26, qu'on a lu tout à l'heure, si on peut nous le rebalancer, il dit, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ils furent appelés chrétiens par qui? Et la plupart se basent sur ça pour dire certainement, c'est un nom qui ne vient pas du dedans, mais c'est un nom qui vient du dehors. En d'autres termes, c'est les païens qui, en observant les disciples du Christ, ont dit non, ceux-là ressemblent à Christ, ils sont des chrétiens. Le premier courant dit, c'est un nom qui vient du dehors. C'est les non-chrétiens qui ont donné ce surnom aux disciples du Christ. Parce qu'on a comme l'impression qu'entre eux, c'est-à-dire au-dedans, dans l'Église, parmi les disciples du Christ, ils s'appelaient autrement que chrétiens. Premièrement, ils s'appelaient évidemment disciples. Jésus lui-même l'a dit, « Allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. » Ils s'appelaient disciples du Seigneur. La deuxième nomenclature, tels que dites dans la Bible, il s'appelait aussi frère. Frère. On a même gardé ça. Lorsqu'à l'église, on dit, par exemple, frère Paul, ou encore la sœur Micheline, ce n'est pas juste pour faire fashion. Non, c'est pas pour faire beau. Mais c'est parce que depuis l'église primitive, c'est comme ça que les chrétiens s'appelaient entre eux. Frère. Actes chapitre 9, verset 17. Et le texte de Actes 9, 17, c'est un texte puissant, frères et sœurs. Actes 9, verset 17, la Bible déclare, Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur Paul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin vers Damas, par lequel tu venais, il m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Ananias rencontre Saul pour la toute première fois.
Dieu lui-même dit à Ananias que le sol là a été changé. Je l'ai rencontré en chemin, je l'ai fait tomber de son cheval. C'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne. Il est tombé de son cheval. Ce n'est plus lui qui a la direction du cheval. C'est Jésus qui a pris le contrôle. Il est tombé. C'est-à-dire, il a dit, Seigneur, je te laisse la place. C'est à toi de diriger. On va en venir. Mais lorsque Ananias est conscient que Saul, désormais qui était persécuteur, est devenu enfant de Dieu, le premier mot que Saul entend de la bouche d'un chrétien, après qu'il soit devenu chrétien, le premier mot à part son nom, c'est l'appellation frère. Saul, mon frère. Saul, mon frère. Église du Seigneur, j'aimerais nous dire aujourd'hui que pour tous les païens qui sont païens et qui viennent à Dieu, Dieu attend qu'on puisse commencer à les appeler frères. C'est-à-dire, nous sommes de la même famille, désormais. C'est-à-dire, même si tu es sénégalais, je suis congolais, tu es gabonais, tu es Sierra Leone, mais comme tu as reçu Christ, Dieu devient ton père, de la même manière qu'il est mon père. Et alors toi et moi, nous sommes frères, malgré ton passé de persécuteur. Dieu t'a changé. Ça n'a duré que 3 jours. C'est 3 jours après qu'Ananias est venu vers Paul. Et après 3 jours, Ananias est conscient que Paul est son frère. Combien de temps attends-tu pour que ton voisin qui avait un passé chargé puisse être considéré à tes yeux comme un vrai frère, comme une vraie sœur? De fois, il y a des gens qui viennent à l'église et qui quittent l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne les traite pas en frères. Parce qu'on ne les traite pas comme des enfants de Dieu, lavés par le sang de l'agneau. On ne croit pas en la puissance de la bonne nouvelle. On ne croit pas en la puissance du salut par la croix. On se dit certainement que, voyez, le changement, il est progressif. Peut-être après 1 année, 2 ans, qu'il deviendra vraiment frère. Non, frères et sœurs, le Jésus auquel j'ai cru, c'est celui qui te change en un instant, en un clin d'œil. Une fois que tu le reçois, c'est bon, c'est fini. Saul, mon frère. Et c'est comme ça que les frères s'appelaient entre eux. La deuxième appellation, ou encore la troisième, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, et dans la plupart des épîtres de Paul, c'est l'appellation saint, les saints. C'est comme ça que les saints s'appelaient entre eux, 1 Corinthiens 1, 2. Il dit par exemple, il dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et qui ont été à ceux qui ont été consacrés en Jésus, et qui sont saints par appel. Et il dira plus tard dans d'autres textes de ses épîtres, il dit par exemple « Saluez les saints à Colosse, saluez les saints en Éphèse ». Et c'est comme ça qu'ils s'appelaient aussi, les saints. À l'époque, quand on voyait par exemple juste en train de marcher, qu'on reconnaît, ah, c'est notre frère, il dit « Oh saint, saint juste, je te salue ». On va Pachela en train de passer à la « Oh la sainte Pachela ». Je te salue. C'est comme ça qu'ils s'appelaient entre eux. Et à part l'appellation des chrétiens entre eux, il y avait 2 appellations que le monde extérieur donnait aux disciples de Christ. La première, c'est les hommes de la voie. Actes chapitre 9, verset 2. Ce qu'on appelle aujourd'hui la chrétienté ou encore le christianisme, à l'époque, c'était appelé la voie ou encore le chemin. Actes chapitre 9, verset 2. La Bible déclare, il s'agit de Paul, et la Bible dit, Paul demanda au souverain sacrificateur des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, ça c'est peut-être Louis II qui le dit comme ça, mettez-moi nouvelle Bible II, la vraie traduction c'est les partisans de la voie, voilà, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, il pourrait les arrêter et les amener à Jérusalem. On les appelait les partisans de la voie. Aujourd'hui, on te désigne, on dit tu es chrétien, on dit de ta sœur, elle est chrétienne, mais à l'époque, si tu vivais à l'époque, les juifs t'auraient appelé un homme de la voie. Et si c'est une sœur, on l'aurait appelé une femme de la voie. Les disciples en général, on les appelait les partisans de la voie. La voie là, c'est pas avec X à la fin, c'est avec E à la fin pour dire le chemin. Et non la voix. Actes chapitre 24, verset 5,
nous donne une autre appellation qu'on donnait aux chrétiens par les juifs. C'est les juifs particulièrement qui les appelaient comme ça. Acte 24, verset 5, on dit « En effet, nous avons constaté que cet homme est une peste. Il provoque des disputes parmi tous les juifs, sur toute la terre habitée. C'est un dirigeant du parti des Nazoréens. » On les appelait les Nazoréens selon NBS, lui second dit Nazaréens. On les appelait la secte des Nazaréens. Quand on dit parti là, c'est secte. La secte des Nazaréens. Ah, toutes les grandes religions ont commencé par être des sectes, selon leurs époques. Voilà. Le chef de la secte des Nazaréens. Lorsqu'on rencontrait un chrétien, on l'appelait un Nazaréen. Si d'ici là je te rencontre avant la fin de la semaine et que je t'appelle Nazaréen, ne te fâche pas. C'est pas moi, c'est dans vos Bibles. C'est comme ça qu'on les appelait. Paul était considéré comme le chef, la tête, à son époque, de la secte des Nazaréens. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Je suis en train d'introduire la matière. Un grand théologien du nom d'Adam Clark. Adam Clark, c'est un très grand théologien qui est très fort dans ses analyses sur la Bible. Il va plus loin dans son raisonnement. Et c'est là que je vous donne je vous ai dit tout à l'heure que dans le cercle de théologiens, il y avait deux tendances. Il y a les tendances qui disaient que cette appellation chrétien, c'est une appellation qui ne vient pas du dedans, mais qui vient du dehors. Mais Adam Clark, lui, est l'un des rares qui soutient que c'est une appellation qui ne vient pas du dehors, mais qui vient du dedans, et il explique. Il dit que le nom chrétien a été donné aux disciples par direction divine. Il dit que c'est Dieu lui-même qui a inspiré aux disciples le nom chrétien. Il dit, c'est Dieu lui-même qui a dû inspirer ce nom. Et pour comprendre sa pensée, pourquoi il pense comme ça? Pourquoi il dit, c'est Dieu lui-même qui a dû inspirer ce nom? Il revient sur le verbe dans Actes chapitre 11, verset 26. On revient dans Actes 11, 26, qui est notre texte de base. Il revient sur le verbe, un verbe particulier qui est dit dans Actes 11, 26. À la fin, on dit, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Il revient sur le verbe là, appeler, ou encore désigner. Ils furent désignés chrétiens, ils furent appelés. Il dit, ce verbe là, appeler, dans le grec, il veut dire trois choses. Il veut dire même quatre choses. Il veut dire un, nommer. Ils furent nommés chrétiens. Il veut dire, deuxièmement, avertir. Il veut dire, troisièmement, désigner. Mais le verbe appeler, là, dans le grec, veut dire, quatrièmement, révéler. Ils furent révélés chrétiens. Et il va plus loin, il dit, et à chaque fois, dans le Nouveau Testament, que ce verbe-là est employé, il fait référence à un acte dont Dieu lui-même est l'origine. Il donne trois versets dans lesquels ce verbe appelé est employé dans le grec, dans d'autres versets. Il dit premièrement Matthieu chapitre 2, verset 12. Et dans Matthieu 2, 12, il dit, vous verrez que l'origine c'est Dieu. Matthieu 2, 12. Il dit, puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Le verbe averti là, c'est la même racine qui traduit appelé dans Actes 11, 26. Et il dit, remarquez dans Matthieu 2, 12, puis divinement avertis. En d'autres termes, c'est Dieu qui les a avertis. L'origine de cet avertissement, c'est Dieu lui-même. Le deuxième texte où la même racine est employée, c'est dans Luc chapitre 2, verset 26. Luc chapitre 2, verset 26. Dans Luc 2, 26, il dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point. Et c'est le même mot en grec qui traduit dans Acte 11, 26, appelé. Il dit, vous voyez que dans Matthieu 2, 12, dans Luc 2, 26, lorsqu'on emploie ce mot, on dit que l'origine, c'est Dieu. Dans Matthieu, on dit, c'est Dieu qui les a avertis. Ici, on dit, c'est le Saint-Esprit qui les a avertis, et le Saint-Esprit, il est Dieu. La troisième fois, il dit que ce verbe est employé, c'est dans le chapitre qui vient juste avant, Acte chapitre 10, verset 22. Il dit, vous verrez que même là, l'origine, c'est Dieu. Acte 10, 22, il dit, ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, il a été divinement averti
par un Saint-Ange de te faire venir dans sa maison. Divinement averti. Il y a toujours l'adverbe divinement avant. Et on rentre dans Actes 11, 26, alors lui, il interprète ça comme ceci. Il dit, puisque Dieu, dans les autres textes, est toujours à l'origine de ce mot, alors, la meilleure manière de traduire la fin de ce verset, c'est, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent divinement appelés chrétiens. Il dit, pour lui, l'origine, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a inspiré aux leaders de l'Église la nomenclature chrétien. Et pourquoi? Parce que, on va le voir, la nomenclature qui a le plus traversé les générations. Il dit, l'origine ne peut être que Dieu. Ce nom chrétien, c'est donc le plus haut caractère qu'un être humain peut porter sur cette terre. C'est pas seulement une appellation, c'est un caractère. Le plus haut caractère qu'un être humain peut porter sur cette terre, chrétien. Alléluia. Chrétien. Littéralement, chrétien. Dans le mot chrétien, je préfère l'anglais qui dit Christian. Christian. Il y a Christ, et puis il y a I-A-N qui s'ajoute. Christ, et puis I-A-N qui s'ajoute. La racine du mot chrétien, c'est Christ. Littéralement, chrétien veut dire donc les suiveurs de Christ. Ceux qui suivent Jésus-Christ. Frères et sœurs, les chrétiens, c'est ceux qui marchent selon la vie et selon les enseignements de Jésus-Christ. Ils suivent Christ. Ils ne suivent pas d'abord une idéologie. Ils ne suivent pas d'abord une dénomination. Ils ne suivent pas d'abord une église. Ils ne suivent pas un pasteur ou quoi que ce soit. Non, ils suivent Christ et ils suivent exclusivement Christ. C'est ça un chrétien. Dans l'histoire de l'église, il y a plusieurs hommes qui sont passés. Évidemment, on peut commencer par Jésus lui-même qui a bâti son église comme il avait promis. On peut parler de Pierre, qui est de la première génération des croyants, l'homme à qui les clés ont été données. Il y a eu des gens, Jacques, finalement Paul est venu, il a eu une influence capitale. L'homme qui a le plus influencé l'histoire du christianisme après Jésus, selon les théologiens, c'est Paul. Une influence extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, la plupart des notions que nous avons et même que nous prêchons, viennent des épîtres de Paul. Lui qui n'a pas marché avec Christ, mais il a défini correctement ce que c'est qu'être un chrétien. Parce que ce n'est pas question de proximité avec le maître, c'est d'abord question de révélation du Saint-Esprit. Il n'a pas été là, mais il a su par l'Esprit les choses qu'il devait être. Et il les a bien définies, il les a bien taillées. Et même Pierre était obligé de reconnaître que Paul a une sagesse qui le dépasse, extraordinaire. Dieu lui a fait une grâce exceptionnelle. Mais après cette génération, quand ils sont tous morts, il y a eu d'autres disciples, leurs enfants et même leurs petits-enfants spirituels. Parmi leurs enfants, leurs petits-enfants spirituels, il y a l'un des pères de l'Église qu'on appelle Polycarpe. Polycarpe, c'est une des grandes figures de l'histoire de l'Église. Un des pères de l'Église. Il est dit de Polycarpe, il est dit de lui que ses derniers mots avant de mourir, lorsqu'il était sur son lit de mort et qu'il avait accompli de grandes choses pour l'Évangile. Il a fait avancer l'Évangile en Asie, en Europe. Lorsqu'il était sur son lit de mort, avant de rendre l'âme, on lui dit, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Quel héritage tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux dire en dernier? Et il a commencé à dire ces mots en mourant, je suis chrétien. Et lorsqu'il a dit ça, il a expiré. Lorsqu'il a dit ça, il est mort. Lorsqu'il a dit ça, les anges sont venus, l'ont transporté jusque dans la félicité céleste. Les derniers mots de ce grand personnage dans l'histoire de l'Église, c'est « Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je ne suis pas d'abord membre de Bethel. Je ne suis pas d'abord l'ami du pasteur. Je ne suis pas d'abord je ne sais quoi. Je suis chrétien. Je suis chrétien. C'est un privilège, une responsabilité. » Je suis chrétien, ça veut dire que je suis héritier de Dieu. Je suis chrétien, ça veut dire que je suis co-héritier de Christ. Je suis chrétien, ça veut dire que je jouis des privilèges uniques
je suis chrétien, ça veut dire que le grand Dieu lui-même est mon garde du corps. Je suis chrétien, ça veut dire un tas de choses. Je suis chrétien. Oh, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, s'il y a une chose dont vous devez vous vanter, c'est le fait que vous apparteniez à Dieu. Je suis chrétien. J'aimerais que tu le dises encore en te frappant la poitrine. Je suis chrétien. Je ne sais pas ce que tu es, mais je suis venu te dire ce soir, moi, je suis chrétien. Et je suis fier d'être chrétien. Le sous-thème que j'ai pour nous, frères et sœurs, en ce jour, c'est la valeur du nom, la valeur de l'appellation, la valeur de la nomenclature. Nous allons voir, bibliquement parlant, pourquoi l'appellation chrétien est donc importante. Importante. Nous allons voir, bibliquement parlant, pourquoi le nom en général est important. Pourquoi il faut, on va voir ça tout à l'heure, pourquoi il faut qu'on appelle quelqu'un d'une manière et non pas d'une autre. Pourquoi Dieu juge que ça ne suffit pas que l'on sache, par exemple, que je m'appelle Lode, ou que quelqu'un d'autre s'appelle Stéphane, ou que quelqu'un d'autre encore s'appelle Sylvie. Ça ne suffit pas. Il dit non, 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 il faut qu'il y ait un nom commun qui vous caractérise, chrétien. Mais la valeur du nom, c'est quoi dans la Bible? Pourquoi le nom? Pourquoi cela? La valeur de l'appellation. Il y a un dicton qui dit ceci. Ce dicton, évidemment, il est faux. Bibliquement parlant, il est faux. Mais il dit ceci, ce dicton. Il dit, le nom n'est pas si important. Car, de toute façon, une fleur rose sent toujours aussi bon, même si on lui change de nom. Et le nom n'est pas si important. Une fleur, peu importe le nom par lequel on va l'appeler, son odeur reste intacte. Finalement, le nom n'est pas si important. Mais bibliquement parlant, le nom est d'une importance capitale. Bibliquement parlant, les noms sont significatifs. Ils veulent dire quelque chose. Dans les Écritures, les noms sont symboliques. Ils ont un sens pour l'individu. Pourquoi ? Quatre raisons. La première raison, c'est que l'essence de l'individu, pas le sens, mais l'essence de l'individu est capturée dans le nom. Je veux dire, l'ontologie de l'individu, l'essence profonde, ce que la personne est, voilà, c'est ce que je veux dire. Ça a une valeur ontologique, c'est-à-dire une valeur qui définit qui est l'être qu'on désigne comme ceci ou comme cela. L'essence de l'individu est capturée dans le nom. Par exemple, lorsque Dieu crée le premier homme, il l'appelle Adam. Et le nom d'Adam veut dire homme, justement. Parce qu'il est homme, c'est ça, c'est ce qu'il est. C'est ça son essence. Et le nom que Dieu lui donne, c'est en rapport avec son essence. Avec ce qu'il est profondément. Homme, ça veut dire qu'il a 46 chromosomes. Il n'est pas singe, il n'est pas chat. Il est homme. Son essence, je veux dire, sa constitution interne est définie même par le nom qu'il porte. Le nom est important. Adam lui-même, lorsque Dieu l'endort, il se réveille, il voit une belle créature, il devient poète. Et il rime dans sa poésie. Une poésie remplie de rimes. Il dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Il dit, on l'appellera quoi? Femme. Femme, c'est Ève, qui signifie la mère de tous les vivants. Il dit, elle, sa constitution interne, c'est la mère de tous les vivants. La deuxième raison, l'importance du nom, c'est que le nom révèle une nature. Le nom révèle une nature. Dans l'histoire de Jacob, on voit que lorsque Jacob est né, il est né la main agrippée au talon de son frère Ésaü, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'on l'appelle Jacob. Parce que Jacob veut dire en hébreu littéralement « celui qui s'agrippe au talon ».
et ça veut dire usurpateur. On lui a donné ce nom parce que rien que cet acte à sa naissance révélait sa nature. Et ce nom-là, vous verrez dans la Bible, ça l'a suivi partout. Il a usurpé le droit d'aînesse d'Ésaü. Il allait chez Laban, il a dribblé Laban. Il était serviteur chez Laban, mais il est sorti plus riche que Laban. Il a dribblé, tu engages quelqu'un dans ta société, mais il devient plus riche que toi, le PDG. Alléluia. Il a dribblé les gens. Un usurpateur. Ésaü, on lui donne Ésaü, parce que Ésaü veut dire le velu, celui qui a beaucoup de poils. Judas, ce nom lui a été donné parce que sa mère a dit, désormais, au lieu de me plaindre, je vais louer l'Éternel, et Judas veut dire louange. Ça révèle une nature. Samuel veut dire celui qu'on a demandé à Dieu. En fait, on a demandé à Dieu et Dieu a exaucé. Samuel. Tous les noms qu'on donne dans la Bible révèlent une nature. La troisième raison de l'importance du nom, c'est que on voit Dieu lui-même changer les noms de certains individus. Si le nom n'est pas si important, alors pourquoi Dieu n'utilise pas quelqu'un sans changer son nom? Généralement dans la Bible, il y a plusieurs personnes à qui Dieu lui-même a changé de nom. Mais Seigneur, c'est pas important. Le plus important, c'est que finalement, il te connaît, et puis voilà, et puis il marche avec toi et tout. C'est vraiment le nom. C'est Dieu dit non. Mais non, on va changer de nom. Pourquoi Dieu change le nom? Pour montrer que leur vie devait prendre désormais une nouvelle direction, un nouveau sens, une nouvelle nature. C'est pourquoi Abraham a été changé en Abraham. Et Abraham veut dire père d'une multitude. Et ça l'a suivi. Ça l'a suivi, il a été père d'une multitude. Il a eu des enfants par Agar, Ismaël, par Sarah, Isaac, et finalement les Juifs, et puis voilà. Et puis il a eu des enfants par Keturah, 6 autres enfants. Il a eu une multitude d'enfants. Et ces enfants-là sont devenus les ancêtres des nations. Et donc Abraham reste au sommet, père d'une multitude. Le nom est même prophétique, ça montre le destin. Saraï, Dieu change son nom, il dit, ça sera plus Saraï, ça sera Sarah qui veut dire princesse. Jacob, Dieu change son nom en Israël, qui veut dire prince avec Dieu, celui qui règne avec Dieu. Simon, Dieu change son nom en Pierre, qui veut dire roc, le solide. La quatrième raison, c'est que Dieu lui-même, le nom révèle le caractère de la personne, non seulement la nature de la personne, mais le caractère de la personne. Et Dieu lui-même ne fait pas exception à cette règle. Dieu lui-même, il y a plusieurs noms qui lui sont donnés dans la Bible. Pourquoi il s'arrête pas à nous dire qu'il s'appelle Dieu? Pourquoi il s'arrête pas à nous dire qu'il s'appelle Je suis? Mais il y a plusieurs noms qui lui sont donnés dans la Bible. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Ça révèle le caractère de sa puissance. El Elyon, qui veut dire quoi? Dieu Très-Haut. El Olam, Dieu Éternel. Jéhovah Jireh, le Dieu Pourvoyeur. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Jéhovah Shammah, le Dieu présent. Jéhovah Nissi, Dieu notre bannière. Jéhovah Roi, Seigneur berger. En résumé, le nom par lequel on désigne un homme est important parce que il aide, un, à connaître son essence, deux, son caractère, trois, sa nature, et même quatre, la direction que va prendre sa vie. Un, son essence. Deux, son caractère. Trois, sa nature. Et quatre, la direction que va prendre sa vie. Je répète, pour ceux qui écrivent, le nom aide à connaître, un, l'essence de la personne, deux, le caractère de la personne, trois, la nature de la personne, quatre,
la direction que va prendre sa vie. Vous vous rendrez compte, c'est assez bizarre et c'est assez intéressant, que le fils de Jacob, qui a eu l'idée de vendre Joseph, s'appelait Judas. De manière intéressante, le disciple de Jésus, qui a eu l'idée de vendre Jésus, s'appelle Judas. C'est pourquoi plusieurs, lorsqu'ils viennent à Christ, ils changent même leur nom. Je connais un grand artiste chez nous qui s'appelle Runo Mvumbi. Runo Mvumbi. Mvumbi, ça veut dire cadavre. Et ça peut vouloir dire cadavre en décomposition. Quand il est venu en Christ, après quelques années, il a changé son nom. Il dit désormais, ce n'est plus Runo Mvumbi. C'est Runo Moyo. Parce que Moyo veut dire la vie. J'ai un ami avec qui j'ai étudié. Son nom, en lingala, c'est Mbongopasi. Mbongopasi veut dire celui qui touchera difficilement l'argent. Dis à ton voisin, apprends à donner des noms sérieux aux enfants. Celui qui touchera difficilement l'argent. Quand il se convertit, il dit, c'est plus Mbongopasi, c'est Mbongopete. C'est-à-dire, je toucherai Pete. Pete, c'est facile. Facilement, là. Regarde ton voisin, regarde-le bien. Demande-lui, quel est ton nom? Alléluia. Alléluia. Avant de rentrer dans chrétien, le nom ou l'appellation chrétien doit donc nous montrer quatre choses. Un, l'essence du chrétien. Deux, le caractère du chrétien. Et ça, c'est même ça les piliers de notre séminaire. Ce que je suis en train de dire là, c'est les piliers de notre séminaire de tous les jours qu'on va voir ici. Un, l'essence du chrétien. C'est-à-dire l'identité même du chrétien. Deux, le caractère du chrétien. Trois, la nature du chrétien. Et quatrièmement, le destin du chrétien. C'est sur ces quatre axes que notre séminaire va insister. Dans cette appellation chrétien, la racine, et je l'ai dit au départ, c'est Christ. Christ. Ainsi, frères et sœurs, à chaque fois qu'on t'appelle chrétien, tu dois savoir une chose, tu portes le nom du Christ. À chaque fois qu'on te dit chrétien, chrétien c'est Christ. Qui suit qui? Christ. Qui obéit à qui? À Christ. Qui ressemble à qui? À Christ. Qui appartient à qui? À Christ. C'est Christ qui est le centre de l'appellation chrétien. La racine pivotante, la base, le socle, la fondation. Quand je te regarde, si tu me dis que tu es chrétien, alors sache que tu as une responsabilité parce que tu portes le nom du Christ. Deux fois, nous n'en sommes pas conscients parce qu'on nous appelle tout le temps chrétien. Et puis, c'est devenu plus une habitude qu'une conscience. Chrétien, oui, chrétien, mais je vis dans le péché. Oui, chrétien, mais je prends les maris d'autrui. Chrétien, oui, mais je suis un pudique niveau zéro. Chrétien, oui, chrétien, mais je suis un voleur, un menteur exposant l'infini. Chrétien, oui, chrétien, mais je fais des choses encore bizarres, ignobles. Frères et sœurs, nous devons savoir si nous sommes vraiment chrétiens. Nous portons Christ. Non, mais c'est un privilège, mais en même temps, ça pèse. Je vous dis, ça pèse. Tu te dis chrétien, mais tu n'aimes pas ton prochain. Tu te dis chrétien, mais chez toi, tu chasses tout le monde. Christ, c'est ça. À chaque fois qu'on t'appelle chrétien, rappelle-toi de Jésus. Alléluia. Ainsi, le nom de Christ, nous le portons.
Ainsi, le nom de Christ, nous l'avons. Écoutez, écoutez le commandement que Dieu dit par rapport au nom, à son nom. Il dit, dans Exode 20, verset 7, en anglais, il dit, « You shall not take the name of the Lord in vain. » Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Le nom du Seigneur, tu ne le porteras point en vain. C'est ce qu'il dit, verset 7, pas 16. Tu ne le prendras pas en vain. Tu ne le prononceras même pas en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Chrétien, j'aimerais nous dire, nous portons le nom de l'Éternel, Christ. Et il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. J'aimerais le répéter encore. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. J'aimerais encore le dire. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. La différence qu'il y a avec les autres noms, disciples, de disciples, c'est autre chose. Frères, dans ces noms-là, dans ces appellations-là, il n'y a pas le nom de l'Éternel. C'est ça la différence. Mais lorsqu'on dit chrétien, le nom de Dieu est engagé. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Pourquoi? Il dit, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ce qui veut dire là, c'est, tu ne déshonoreras point le nom de l'Éternel. Il dit, le nom par lequel je suis identifié, par lequel je suis appelé, tu le portes, mais ne le déshonore pas. Comment on déshonore le nom de l'Éternel? Par nos paroles, notre façon de parler, mais deuxièmement par nos actes, surtout par nos actes, bien souvent d'ailleurs par nos actes. Nous déshonorons son nom, nous le prenons en vain. Il y a un jugement attaché à ça. Je ne laisserai pas impuni celui qui prend mon nom en vain. Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Dieu est jaloux de son nom. Et ceux qui gardent son nom, il les récompense. Apocalypse 2, 13, il dit ceci. Je sais où tu demeures. Je sais que là où tu demeures, c'est là que se trouve le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Ah, je prie qu'on soit comme cette église. L'église de Pergame. Jésus lui-même rend le témoignage, il dit, tu retiens mon nom. Retenir son nom, là, ne veut pas dire que tu le connais par cœur, c'est pas ça le sens. Le sens, c'est, selon que la version NBS, Nouvelle Bible Seconde le dit, tu es attaché à mon nom. Tu es attaché à mon nom, voilà. Tu es attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Dieu veut qu'on s'attache à son nom et son nom est compris dans l'appellation par laquelle on nous appelle chrétien. Apocalypse chapitre 3 verset 8, il parle à une autre église, l'église de Philadelphie. Il dit, je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Alléluia. Dieu veut même par nos actes qu'on s'attache à son nom. C'est précieux, frères et sœurs. Écoutez, le nom par lequel on chasse les démons, au nom de Jésus-Christ, et puis il part. On dit Christ, il s'en va. Ce nom-là, tu le portes. Tu le portes. Tu le portes. C'est-à-dire en temps normal, tu n'as même pas besoin de parler. Comme tu le portes, la vraie identité là. Quand le démon te voit, il part, parce que tu le portes. Il dit, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Combien de fois on le renie devant des choses de foi bêtes? Combien de fois on le renie journalièrement? Combien de fois on le renie alors qu'on porte son nom? Combien de fois on le renie par nos comportements vicieux, pécamineux, luciféraux, enfériques? Combien de fois on le renie? Combien de fois tu le renies? Combien de fois tu le renies? Quand le pasteur n'est pas là, quand les diacres le conseillent n'est pas. Combien de fois tu le renies? Combien de fois tu le renies? Combien de fois tu renies son nom? Tu le prends en vain, alors que tu le portes. Tu le portes.
tu le portes. Et des fois, tu le renies avec des païens. Avec des païens, tu le renies. Journalièrement, quotidiennement, hebdomadairement, que voulez-vous encore ? Mensuellement, annuellement, après des lustres, après des décennies, après des millénaires, enfin, si jamais tu vis 1000 ans, après des siècles, combien de fois on le renie ? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ben, j'étais conscient qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen aujourd'hui. C'est pourquoi avant de venir, j'avais fait un stock d'amen déjà. Moi-même, j'ai répété dans la chambre, amen, 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 amen. Donc même si tu ne me donnes pas ton amen là, ce n'est pas grave. J'ai une réserve d'amen. Et c'est pour tout le séminaire, parce que je suis conscient. Je ne suis pas venu amadouer les gens ici. Dans le séminaire, je ne suis pas venu vous dire, Dieu va vous bénir, non. Tu prends le nom de Dieu en vain et puis tu veux qu'il te bénisse. Dans le séminaire, je suis venu dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ? Apocalypse chapitre 22, verset 4. Regardez la promesse qu'il nous fait, dit, ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La Bible nous enseigne, chrétiens, que nous sommes appelés à ne pas prendre le nom de Dieu en vain. La Bible nous enseigne qu'on peut déshonorer le nom de Dieu. La Bible nous enseigne, quand je dis on peut, c'est-à-dire c'est pas la volonté, je ne suis pas en train de dire que c'est la volonté de Dieu, mais que par nos actes ou par nos manquements, ça peut arriver qu'on déshonore le nom de Dieu. La Bible nous enseigne que le nom de Dieu est profané par notre désobéissance. La Bible nous enseigne que la meilleure manière d'honorer le nom de Dieu, c'est par notre qualité de vie. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom? Ah Seigneur, à chaque fois chrétien qu'on te dit chrétien, le nom de Dieu est engagé. J'aimerais finir mon introduction de mardi soir, par cette anecdote. Un jour, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, plusieurs d'entre vous le connaissent. Un Macédonien. Le Macédonien qui a conquis le monde. Le fils de Philippe. Philippe II, si je ne me trompe pas. Alexandre le Grand, depuis son enfance, avait le caractère d'un conquérant. C'est une histoire vraie que je vous raconte, vécue à son époque. Quand il était encore vivant, il a vécu même avant Jésus, donc imaginez, c'est vraiment il y a très longtemps. Lorsqu'on venait lui dire, ton père a conquis une nouvelle terre, tout le royaume était en joie, tout le royaume jubilait, tout le royaume dansait. Le roi Philippe a conquis une nouvelle terre, c'est-à-dire que le royaume est en train de s'accroître, c'est-à-dire qu'il y a d'autres richesses qu'on va avoir, parce que avoir une terre, c'est avoir des richesses. Tout le royaume jubilait, sauf Alexandre le Grand, le fils de Philippe. Alexandre le Grand, lui, il pleurait. Ton père, sa nourrice disait, ton père a conquis une nouvelle terre. Le jeune homme, à l'époque, il avait 6-7 ans, il pleurait amèrement. Il dit, mais papa, pourquoi ? Lorsque la nourrice lui demande, mais pourquoi tu pleures ? Il dit, non, mais papa est en train de tout conquérir, et moi, quand je deviendrai roi, qu'est-ce que je vais conquérir ? Il pleurait parce que déjà, dès son enfance, il avait la mentalité d'un conquérant. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, son père est mort, tué par, je pense, des généraux, un général, le jour d'une fête. Alexandre le Grand avait 20 ans à l'époque. Son père l'avait chassé parce que il était contre son père du fait que son père avait rompu avec sa mère et il est allé vivre avec sa mère. Quand son père est mort, comme lui il était encore vivant, le royaume est allé donc prendre Alexandre le Grand pour faire de lui le nouveau roi. Évidemment, il est devenu le nouveau roi. À l'âge de 20 ans, il a commencé ses expéditions, la conquête du monde. Il n'a fait ça que pendant 12 ans parce qu'il est mort à l'âge de 32 ans. Mais en 12 ans, il a conquis le monde. Et il semble que, à un moment donné, il a tellement conquis tous les villages, tous les royaumes voisins, qu'il se lève un matin, il dit à son général en chef, il dit, allons-y conquérir de nouvelles terres. On lui fait le rapport, on dit, au fait, sire, il n'y a plus de terre à conquérir.
il se met à pleurer. Il dit, comment il n'y a plus de terre à conquérir? Un homme dont le cœur battait pour la conquête, un homme courageux. Il a dit quatre ou cinq choses d'Alexandre le Grand. Premièrement, que c'était un homme courageux. Deuxièmement, qu'il ne reculait devant rien. Et lui-même, dans les expéditions militaires, lui-même était au front, il était devant. Il reculait devant rien du tout. La troisième chose qu'il est dit sur Alexandre le Grand, c'est que il a conquis le monde de son époque. La quatrième chose, on dit d'Alexandre le Grand, quand tout le monde tombait, lui, il restait debout. La cinquième des choses qu'on dit sur lui, c'est qu'il pleurait, je viens de le dire, il pleurait quand il n'y avait plus de terre à conquérir. Alors, un homme courageux, Alexandre le Grand, c'est un surnom qu'on lui a donné après, mais son nom c'est Alexandre. Et Alexandre le Grand était tellement dur envers ses soldats, si ceux-ci avaient fait preuve de lâcheté, par exemple, durant le champ de bataille, il les punissait très sévèrement. Ils avaient une armure qui protégeait seulement le devant, pas derrière. Parce que celui qui ose fuir le combat est exposé aux flèches de l'ennemi. Comme pour dire, à chaque instant, il faut avancer. Même quand ça devient dur. C'était sa philosophie, sa mentalité. Les Romains même plus tard, parce que lui c'est un Grec, lorsque les Romains ont pris la place des Grecs en tant que la plus puissante des nations, des royaumes, le plus puissant des royaumes, ils ont mis le même système. On le voit par les armes, l'armure de l'esprit dont l'apôtre Paul, l'armure du chrétien, du croyant dont l'apôtre Paul parle. Alors ils jugeaient. On dit par exemple, sire, lors de la dernière guerre, il y a Farel qui n'a pas fait les choses correctement. Et il s'est fâché, il dit, amenez Farel ici devant. Et lorsqu'on amène Farel, on dit, mais quel est le problème? Non, Farel, au lieu de venir à la guerre, alors qu'il est guerrier, il a préféré rester avec sa femme. Ah, il se fâche. On punit Farel, mais alors sévèrement. Sire, lors de la dernière guerre, il y a Lord qui n'a pas agi correctement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, quand le combat est devenu dur et que ses amis commençaient à mourir, il a pris la fuite. Alors il pouvait te chicoter terriblement et te mettre en prison, même te tuer. Il était terrible, il blaguait pas avec ça. Alors un jour, on lui apporte un jeune homme. Un jeune homme qui était vraiment jeune, presque un adolescent. On dit, sire, ce jeune homme a fait preuve de l'acheter. Et puis avant, il dit, non mais, avant que je n'aille plus loin, comment s'appelle ce jeune homme? On dit, sire, ce jeune homme s'appelle Alexandre. Ceux qui racontent l'histoire disent que Alexandre le Grand a eu un petit sourire sur son visage. Parce que, évidemment, c'est flatteur que ce jeune homme ait son nom. Alexandre, il a souri un peu. Et on s'est dit, ok, d'accord, si Alexandre sourit comme ça, le Grand, c'est-à-dire que le châtiment de ce jeune homme ne sera pas trop dur. Il sourit un peu, un vrai sourire, pas un sourire qui cache une haine ou non, il a vraiment souri, il était content. Et puis il dit, mais Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Il demande à son général en chef, il dit, qu'a fait Alexandre? On dit, sire, Alexandre a fait preuve de lâcheté durant le dernier combat, il a manqué de courage, il a fui le combat. On dit qu'Alexandre le Grand s'est tenu debout, il s'est fâché comme on ne l'a jamais vu fâché. Il pose la question au jeune homme, comment tu t'appelles? Le jeune homme répond, Alexandre. Il demande encore, il a haussé le ton, comment tu t'appelles? Il était rouge de colère. Le jeune homme répond, Alexandre. Il pose encore la question, le jeune homme commence à trembler, il paraît même qu'il a fait tous ses besoins sur place. Et je dis, comment tu t'appelles? Alexandre. Il dit, jeune homme, change ton comportement, ou alors, change ton nom. Change ton comportement ou alors change ton nom. Je suis sûr que Dieu, quand il regarde certains chrétiens, il dit, comment tu t'appelles? Je suis chrétien. Il dit, change ton comportement ou alors change ton nom. Tu portes le nom de Christ.
tu portes le nom du Seigneur, change ton comportement. Ou alors, change ton nom. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en prière? Ce soir, je vais prier pour deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, tu viens peut-être à l'église, mais tu n'as jamais fait ce pas personnel vers le Seigneur. Tu n'as aucune assurance du salut. Tu ne sais même pas si tu es chrétien. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Et aujourd'hui, tu aimerais dire, Seigneur, je viens à toi. Lève-toi là où tu es rapidement et je vais prier avec toi. Thank you.